Je peux faire une intro perso très courte pour expliquer pourquoi ce bouquin. Donc, entre guillemets, Coluche me manque. J'avais 30 ans et quelques quand je l'ai découvert à Europe 1. Et il a changé ma vie, ma façon de voir les choses. Je n'avais pas de religion. Je ne connaissais pas l'histoire du petit Jésus. Donc, j'étais très disponible pour découvrir Coluche. Il m'a changé, j'étais plus méfiant vis-à-vis des gens qui me commandaient. Donc quand j'ai eu 40 ans, j'ai plaqué les services qui me manipulaient depuis l'âge de 18 ans, quoi, 19 ans. 19 ans. M'a servi au moins à être moins con. Donc je remercie, mais les contacts que j'ai eus à l'époque, finalement, ont permis qu'on découvre la vérité aujourd'hui. La vie est bizarre. Oui, je précise, ça devait être. Coluche a fait son apparition, je crois, en 75. Moi, j'étais en plein les pieds dans la merde, quoi. En 70, en 80. Donc, je suivais son émission à la radio. Je faisais beaucoup de voitures pour mes chefs, les chauffeurs d'un commandant, des services spéciaux. Donc, j'entendais deux sons de cloche, quoi. Coluche à la radio et ce que disaient les gars dans la voiture. Pendant le voyage en 80, donc en 80, 81, quoi, avant les élections présidentielles, quand Coluche s'est présenté. Alors là, il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic. Je me suis dit, enfin, ils me prennent pour un con, quoi, tous ces gens. Et j'ai décroché. Hein, c'était là, quoi, précisément. Il y a un tas de gens qui lui doivent sûrement leur. Il a sûrement d'être moins con aujourd'hui, quoi. J'ai plaqué en 81, j'ai plaqué en même temps que lui. Lui, il est parti aux Antilles, il s'est shooté. Moi, j'ai plaqué le service. J'ai filé rendez-vous à un lieutenant-colonel, qui était mon agent traitant. Je me souviens très bien, au cimetière Montparnasse, en allée où Bess s'est fait tuer, là. Puis je lui ai sorti mes quatre vérités, donc... Et puis en 86, quand Coluche est mort, ça m'a fait comme un coup de poignard. Un coup de poignard dans le cœur. Donc j'ai commencé à fonctionner en automatique sur cette affaire. J'ai poussé pendant 17 ans.